Degré d'intensité de l'adjectif. Le degré d'intensité d'un adjectif permet d'exprimer une caractéristique ou un état avec plus ou moins de force. C'est-à-dire, on prend l'adjectif qualificatif, on l'atténue ou on fait une gradation. C'est-à-dire, on dit c'est plus fort ou moins fort que ce que l'adjectif exprime au départ. Cela concerne uniquement l'adjectif qualificatif et non pas l'adjectif relationnel. Une des possibilités pour graduer l'adjectif, ce sont les adverbes d'intensité. Donc peu, beaucoup, assez, quasi, quasiment, presque, très, trop, fort, ainsi que les adverbes qui finissent par « ment ». Exemple, elle est très jolie, Eric est assez intelligent pour éviter la confrontation, le guépard est extrêmement rapide. Une autre possibilité, c'est de mettre un préfixe avant l'adjectif pour nuancer son intensité. Donc les préfixes peuvent être sous, hypo, hyper, super, ultra, extra. Exemple, sous-performant, hypersensible. Autre possibilité, le comparatif. On a le comparatif d'infériorité, moins plus adjectif plus que. Donc exemple, le jaguar est moins rapide que le guépard ou l'argent est moins onéreux que l'or. Donc moins, adjectif et que. On a aussi le comparatif d'égalité, aussi plus l'adjectif plus que. Exemple, Étienne est aussi intelligent que Jean ou la rose est aussi belle que le dahlia. Et on a bien sûr le comparatif de supériorité, plus adjectif plus que. Exemple, l'avion est plus confortable que la voiture, Samson est plus fort que David. Le superlatif, lui, se situe par rapport à un ensemble. Donc on a le superlatif d'infériorité, le ou la moins suivi de l'adjectif. Exemple, elle est la moins jolie de toutes, c'est le moins captivant des jeux vidéo. Donc on a la catégorie toutes, eh bien on a la moins jolie dans la catégorie toutes, où on a le moins captivant dans la catégorie jeux vidéo. On a le superlatif de supériorité, le ou la plus suivi de l'adjectif. Donc exemple, c'est l'art martial le plus explosif, il est le plus joyeux de nous tous. Donc ici, on a le plus suivi de l'adjectif. Voilà. Pour résumer, pour préciser l'intensité d'un adjectif qualificatif, on peut utiliser des adverbes d'intensité, des préfixes, le comparatif d'infériorité, le comparatif d'égalité, le comparatif de supériorité, le superlatif d'infériorité ou le superlatif de supériorité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications. Ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.